matin. Des studios live, recevez celui qui a découvert la bouchure de la télévision, Willy Action Dumbo. Et les esprits sont moins mouvants. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Et vendredi, on ne jure pas. Allez, vous connaissez déjà désormais l'adage, le vendredi, comme je le disais tantôt, on ne dure surtout pas au champ. Et pour les conseils, repassez, s'il vous plaît, lundi, pour d'autres, mardi. Aujourd'hui, c'est vendredi et WAM est en mode amusement. Amusement, entertainment. Et actuellement, qui dit amusement dit mouvement des enfants. Après Azalaka Pinou, un autre concept est en train de prendre le contrôle. Allumez la télé. Oui, allumez la télé. J'ai même ici ma petite télécommande. Ah ouais, on me l'a chipé, c'est pas grave. Anyway, elle est bonne. Attends, je la récupère là. Je pense qu'elle est quelque part ici. Voilà. Faites sortir vos télécommandes. Ne zappez surtout pas. Montez plutôt le volume du son. D'où vient cette inspiration là? Nous recevons dans quelques instants seulement les auteurs du single Blacka, 3X Dev, qui sont accompagnés bien sûr de Zakpa, qui est sorti de la mer, le requin. Voilà, un requin sans croc. Et ils viendront ici pour nous en parler. Avec une grande surprise aussi du rap ivoire. En attendant de recevoir nos invités du jour, je vous rappelle que pour un midi réussi, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. On est prêt ici, et sur Live TV, la TNT. Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour tous nos téléspectateurs. Yes, allez, on démarre avec le quart d'heure du bonheur. C'est la cagnotte de Willy. Tous les jours en semaine, le principe est simple. Et vous le connaissez maintenant, appelez les numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans téléviseurs. Vos télévisions, voilà. Devinez ce qui se cache dans ma boîte. Elle est là. Voilà. Et puis, bien sûr, remporter la somme aujourd'hui de 100 000 francs CFA. Si personne ne trouve la somme, bien sûr, ce qui se cache dans ma boîte, ben, la cagnotte va évoluer à partir de la semaine prochaine. Elle sera 150 000 francs. Mais comme aujourd'hui, c'est vendredi et que c'est le week-end, l'idéal serait pour vous de trouver ce qui se cache dans ma boîte. Alors, deux indices. Le premier, dur. Le premier indice, c'est dur. Et le second indice, c'est fertile. Appelez maintenant au 27 22 54 98 50. Ou encore le 27, 22, 54, 98, 51. Allez, on reçoit maintenant notre très cher Landry Blessing. Landry Blessing. Oui. 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 Est-ce que ça va? On va, Bonya. Tous les gars. Yo, maman, yibila, maman, yibila, maman, maman, le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 l
Ibé, tu fais quoi dans la vie? Oui. Tu fais quoi dans la vie, Ibé? Je suis en quête d'emploi. En quête d'emploi. Je prie à l'instant T que quand tu raccroches dans les jours qui suivent, que tu aies un appel pour aller travailler quelque part. OK? Amine. Voilà, tu as dit Amine, mais il faut que tu y crois. Tout ce qu'on fait sans conviction, c'est un péché. Yes, sir. Ah bon, attendez ça. Ouais. Voilà, c'était la pause prêche. On revient maintenant au jeu. Ibé. Indice 1, je suis dur. Indice 2, je suis fertile. Indice 3, si tu m'as trouvé, tu prends tes taureaux, tu t'en vas. D'accord. Hein? Tu vas savoir? Bon, je prends ta... une noix de cola. Noix de cola. Petit cola, c'est amer. Mais c'est pas ça. Petit cola, c'est amer. Mais c'est pas ça. Au revoir. Petit cola, c'est boutougou. Oh, yeah, allumez la télé. Au revoir. Coupez-le. Allumez la télé. Maman, j'ai dit, allumez la télé. Qui m'a gagné, binengue. Allumez la télé. Si comme moi, la maléli, allumez la télé. Allumez la télé. Allumez la télé. Allumez la télé. Allez, tapez dedans. Il prend pour voler la photo. Allumez la télé. Regardez. C'est la jolie télé de papa. Il brigade, brigade, brigade. Il brise mes idées. Coucou Enoch, comment ça va? Enoch. Oui, ça va bien. Ah, c'est la première fois que j'entends Enoch. Sinon, je connais Enoch. Ou bien le E de ton Enoch là-dedans. Ah, d'accord. Enoch, Enoch, tu appelles de Abobo PK, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, Enoch? Je suis élève en classe de terminale. Élève en classe de terminale. Terminale A, B, C, D, G. A2. A2, ah, super, c'est la même classe. C'est la même classe. Vous voyez, mais l'appel en maths, il y avait eu 1. 1 fois le coefficient, ça va. Il n'y a pas dépassé 5. Alors, Enoch, je te donne les indices. Indice 1, du. Indice 2, fertile. Oui. Indice 3, je ne suis pas noix de cola. Tu penses à quoi? Il pense à un noyau de fruits. Un quoi? Noyau de fruits. Noyau de fruits, quel fruit? Mangue. Bon, là, mets-moi une musique de suspense. Non, attends, coupe là-bas, mets-moi une musique de suspense. Enoch. Oui. Je vais te donner une deuxième chance. Tu as dit, tu penses à un noyau de fruits. Son fruit est doux. Oh. Tu as dit, mangue. Il a dit, poteau. Je te donne une dernière chance. Je répète, je suis dur. Deuxième indice. Indice 2. Tu m'écoutes? Oui. Indice 2. Je suis fertile. Indice 3. Je suis un noyau, certes, comme tu l'as dit, mais peut-être pas de mangue. Donc, je suis noyau de quoi? Noyau d'avocat. Noyau de quoi? Avocat. Noyau d'avocat. Oui. Tu es sûr? Tu es sûr? Oui. Enoch? Oui. Si on dit que tu as gagné, tu as fait quoi? Oui. Maintenant, si on dit que tu n'as pas gagné, tu as fait quoi? J'ai rêvé normal. Mais si tout le... Bon, on suppose que tu as gagné. Faut exprimer ta joie. Oui. Wow. On dirait qu'il a les supporters là-bas. Je pense que celui qui a crié en bas là-bas, c'est quelqu'un à qui il doit aller là. Donc du coup... Bon, pour l'instant, c'est pas encore fini. Enoch, avant de nous appeler là, est-ce que avant de nous appeler, tu as vérifié tes unités pour voir? Bon, il n'est pas vérifié, mais en tout cas, j'ai une unité. Tu as une unité? D'accord. Bon, je vais demander à une main pas innocente du tout de venir. Mais la main pas innocente, non, en blanc là, viens. Voilà, le grand frère d'Esaïe maintenant. Voilà. David, toi aussi, tu allais porter blanc, on dirait que tu es dans... Coupez la musique de suspense. Remettez le beat. Et puis maintenant, tu chantes avec nous, Enoch. Oui! Non, on lui met le beat, Bokoko. Bokoko. Si c'est ça. Oui! Lui seul là-bas, oui! Oui! Écoute, hein, écoute, hein. C'est Marie! On regarde, c'est ça. C'est pas ça aussi. Aïe, 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 oui! Montez, musique. Montez, musique, oui! Si Marie ne voit pas, maloubala, loubala, loubala, yo! Si Marie ne voit pas, maloubala, loubala, loubala, yo! Yo, tiens, gaïe, n'a roi d'animation d'amirer! Oh, ma yé, pas d'assez, ma yo! Yé, yé!
chauffer. Inok, tu es sûr que tu peux garder l'antenne pendant 4 minutes comme ça? Oui, je vais garder l'antenne. Bon, attends, tu écoutes le son, non? Faut faire Talakou dessus. Et puis pendant que tu fais Talakou, il va enlever, il va déballer. Si c'est ça, tu as Togo. Allez, vas-y, fais Talakou, Inok. Allez, diminue la musique. Inok, tu as dit que c'est noyau d'avocat, c'est ça? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu as un parent qui vend avocat ou bien? Non. Tu es mandé avocat. Il y a mon pote qui est juriste. Il va devenir avocat bientôt. Il va devenir avocat. Oui. Ah, Inok. Oui. Yo me le gata bola babula, yo, mama la babula, le. Aïe, a ti pere que papa la banda de la gama, pisa ganda de la gimo, pa la gama, tu le mona, pues de sonia, ti que la casa le mote, pa la coma, de la gama, quiere que moana le li, ya la, pa chofenga, je mena me la vrim de singa, le moro me la melo, ti na gai, ye. Ino, qu'est-ce que va se passer, ye mama, pa chofé, yo, yo. Est-ce que c'est avocat? Est-ce que c'est avocat, mama? Est-ce que c'est avocat? Est-ce que c'est Attends, les esprits, est-ce qu'il a bien compté? On y va. On va compter en anglais maintenant. On va compter en anglais. Allez, on y va. Oui, c'est vrai. One. What's up, my meaning? One. C'est vrai. Two. Three. On y va. On y va. Four. C'est vrai. Faut continuer. C'est vrai. Six. Seven. C'est vrai. Eight. C'est vrai. Nine. C'est vrai. Bon. L'ami, viens, on fait les pas avec nous. Est-ce qu'il a gagné? Oh, gagné. Enlève tout le monde. Est-ce qu'il a gagné? Inok, tu es un chef. Tu es un chef quand vous dites d'avoir les numéros. Inok, t'as gagné. C'est gâté. Oui. Ouais, c'est gâté. Crie encore. Oui. Oh, vous-même, bon, ici, là, ne criez pas. Moi, je vais entendre les Inok là seulement. Inok. Oui. Criez. Demande à ton coin de crier. Inok. Voilà ça, oui. Vous avez gagné. C'était effectivement merci. Noyau d'avocat. La fille à terme, elle est méchante, Malika. Elle a divisé même. Tu as pensé que c'est gros coup là? Oui, un gros habit. Tu as pensé que c'est coup là? Inok! Oui. Vraiment, il faut quitter le quartier au moins pour une semaine. Non, tous ceux qui te connaissent là. Oui. Voilà. Donc lundi prochain, viens ici à Live TV. Oui. Tu viens récupérer tes Togo. Okay. Allez, Inok. Merci. Ouais. Dis merci à Live TV. Dis surtout merci aussi à Move Africa Côte d'Ivoire qui te donne les... Merci. Faut crier. Oui. Allez, la famille, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la suite du WAM. À tout à l'heure.
Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et bientôt, bien sûr, dans quelques heures seulement. Et on va ouvrir le week-end. Surtout, n'oubliez pas d'allumer vos télé. Allez, le pain sera là la semaine prochaine. Allez, WAM Rose, c'est la campagne de WAM dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et tous les jours, nous recevons ici des messages de soutien, de sensibilisation contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est Méliane Guetté qui nous parle. On regarde. Bonjour, je suis Méliane. Alors, en cette période d'Octobre Rose dédiée à la sensibilisation contre le cancer du sein, j'invite toutes les femmes et même les hommes à se rendre dans les différents centres de santé agréés pour se faire dépister. Parce que la lutte contre le cancer du sein, la prévention contre le cancer du sein, c'est l'affaire de tout le monde. Merci infiniment Mélie, merci du fond du cœur pour ce beau message-là. On poursuit à présent avec notre vidéo du jour, c'est notre ami qui est fatigué de la galère, il a décidé de l'appeler pour faire son cri du cœur. Regardez. Allô, 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 allô la galère, c'est toi. Comme ta voix a un peu changé là, c'est comment en 2020, c'est du 2020, c'est comment? Depuis 2018, tiens, laissé moi jusqu'à... Et c'est ton collègue ou bien c'est comment? Comme ta mère. Et toi, tu connais pas les titres, le balai, sa mère, ton attente, tu ne connais pas. Le mot là, tu ne connais pas tout cela. Il n'a jamais besoin de toi, tu ne vas pas, mais moi, il n'a pas besoin de toi là. Tiens-moi comme ça. Tiens-du sur moi comme ça. Mais faut maintenant. Hey, toi, tu ne connais pas l'adresse. Va faire la chose là si tu ne connais pas. Tu m'as laissé un peu en 2019, tu m'as laissé un peu et 3500. Tu es parti, tu es revenu en force comme ça. Tu es devenu dur sur moi. C'est bon maintenant. Mon frère Yako, toi aussi tu as trop écouté Collège Chimanté de Sidi Kidjabaté. Voilà maintenant la galère est en train de t'appliquer. Et puis elle s'applique aussi sur toi et à toi. En tout cas, courage. Courage, mon très cher ami. Lui aussi, la galère élargit sa bouche. Allez. La famille, on poursuit maintenant avec la pépite. On ne peut pas faire de pépite sans inviter, bien sûr, le plus fou. Le plus fou, viens, j'ai soif, s'il te plaît, viens. Apporte-moi à boire, s'il te plaît. Yann, applaudissez pour Yann Bana, s'il vous plaît. Tu as un micro ici, et puis tu t'en oui encore. Oui. Oh. Oui. Oui. Ah. Oui. Oui. Et oui. Hey. Tu n'allumes pas. Oui. Oui. Give thanks and praise to the Most High. Rastafari, the moon dango, fafira, salam alaikum, papa, fais une sur le bandeau, tu y. Ah, ça allume pas. Pourquoi? Ah. Oui. Les gars, les bêtes. Oui. Oui, alors. Bon, oui. Oui. Donne-moi mon jus. Donne-moi mon jus. Rebababam. Donne-moi mon jus. Rebababam. Donne-moi mon jus. Qu'est-ce qu'il y a? Yes. On va allumer la télé, Allume le roulant, pardon. Hey, ça va du maintenant.
Toi, si tu aimes les bêtises, hein. Pépite 1, la galère va nous dire. Parfois, tu es là, tu es tellement galère qu'il y a des choses que tu ne veux même pas imaginer. Willy, ouais. Imagine. Imagine quoi? Matin, là, tu perds 1000 francs. Il y a quelqu'un qui a répondu. Je préfère perdre un ami. Tu préfères perdre un ami que 1000 francs. Il a gagné. Ah oui, mais... Toi, ta galère est un autre level. On te dit, imagine, tu perds 1000 francs. Toi, tu dis, tu préfères perdre un ami. Ouais. Qui ici est prêt à perdre un ami à cause de 1000 francs? Qui? Non, je demande. C'est pas moi. Pépite 2, hé, hey, garçon. Vrai, vrai, là, vous savez, il y a des gars, là, franchement, leur degré de modiation, là, c'est à un autre niveau. On dit quoi? Annie Bilekrou. Il se cache pour faire mariage, on l'attrape, il dit ses clips. Voilà, ça là, c'est le travail des artistes, surtout petit Lil J là. Toi, t'arrêtes de barrer quelque part là-bas, on t'attrape dedans, il dit dans ses clips. Diamant, moi, ouais. Après, arrête, après. Yaroul, Yaroul, bye. Et je t'attends. Tu vis encore famille ou bien? Aïe. C'est bon. C'est causerie. Aïe, allons-y, avançons. L'enfant hier de Blocos à la Rivera 2. Applaudissez pour Willy, il a déménagé. Il est où là? Adodo. Pépite 3, ne te laisse pas distraire. Vous savez, les gars. Je vous dis toujours de rester concentré, sinon vous allez vous perdre. Mais personne ne veut rester concentré. On dit quoi? Il y a des femmes qui causent avec toi. Il y a des goers qui causent avec toi. Juste pour se distraire. Juste. Si tu es tombé amoureux d'elle, c'est ton problème, mon frère. C'est un peu comme le père. Oh. C'est. Eh, quand il envoie les bits, elles sont bêtes là, ça, je l'imagine en train de se moquer là. Et dans Bédit, tu as tué. C'est un peu comme le pain. Le pain, hier, il pensait qu'il est go là, il était fort quoi. Elles sont très posées. Bah, c'est une go aussi à ton et fou. Puis là, on s'en ah bon. On dit étonnage. Étonnage. Et lui, il y a mon coup, il dit son piment. Eh, le pain, il va tuer. En tout cas, elles sont nombreuses à faire des comme ça, des choses comme ça. Au moment où tu te rends compte, elle est en train de faire sa dot. Donc, les amis, restez concentrés. À bon entendeur, ça. Lui. Merci beaucoup. Pépite 4, débrouillez-vous. Qui connaît la différence entre un crocodile et un caïman? C'est quoi la différence? Crocodile et caïman. Crocodile, c'est pas caïman. Caïman, c'est pas crocodile. Non, vraiment. J'avoue que tous les jours, je suis estomaqué devant une telle intelligence. Mais s'il te plaît, va là-bas et vois si j'y suis. En tout cas, personne. Ouais, vas-y. On voit l'image. Ouais. Il y a deux gros reptiles. D'accord. En légende, il est marqué. Il est marqué pour quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le crocodile et le caïman, ouais. Le caïman, c'est celui qui est à côté du crocodile. Voilà. T'as vu? Non, tu as raison. T'as vu? J'ai vu. T'as vu? T'as raison. Voilà, vous savez tout, avançons. On dirait que tu as raison. Pépite 5, malparlage. Vous savez, il y a des gens qui sont sans cœur dans la vie. Hein. Franchement, on ne peut même pas être un peu romantique avec ces personnes-là. Non. On dirait que tu souffres de ça. Lago envoie un message. Elle envoie un message, elle dit quoi? C'est dans tes yeux que je veux voir ma réussite. La personne a répondu quoi? Moi, je louchais. C'est dans tes yeux que je veux voir la folie. Tiens, moi, mais je vois pas. Ah ouais, tiens, on perd du violon, quoi. C'est quoi tout ça? Vraiment, le monde est gâté. Willy, c'est dans tes yeux, je vais faire mon prochain album. Allez, la famille, c'est tout pour les pépites. On fonce maintenant vers l'info buzz.
Démarrons l'info base de ce vendredi avec Cristiano Ronaldo qui a été puni par Manchester United. Ça ne sent pas très bon en ce moment entre Manchester United et sa star Cristiano Ronaldo. Laissé sur le banc par son entraîneur lors du choc entre Man U et Tottenham, CR7 a quitté la pelouse alors que le match était toujours en cours. Le Portugais aurait même quitté complètement le stade sans même passer par les vestiaires. Un comportement en tout cas que n'a pas digéré le club anglais. Ronaldo a ainsi été écarté du groupe pour le match de la 13e journée. Cristiano Ronaldo ne fera donc pas partie du groupe de Manchester United pour le match de Premier League de ce samedi-là contre Chelsea. En tout cas, nous, ça nous arrange Chelsea. Voilà, mais bon, le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match-là. C'est ce qu'on peut lire donc dans un communiqué publié par Manchester United hier jeudi 20 octobre. Selon certains journalistes anglais, Cristiano aurait dit à son entraîneur Erik ten Hag, avec lequel il entretient des rapports tendus, qu'il ne souhaitait pas entrer en jeu dans les dernières minutes du match. Donc depuis la fin de la saison dernière et la non-qualification pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Il avait même manqué la tournée de pré-saison de son club en évoquant officiellement des raisons familiales. Et en juillet dernier, lors d'un match amical contre le Rayo Vallecano, il était parti avant la fin de match après avoir été remplacé à la mi-temps. Le prochain mercato hivernal, en tout cas, aura lieu du 1er au 31 janvier 2023. Et en attendant, donc, on espère que les choses vont s'arranger pour le quintuple Ballon d'Or. Et je pense aussi que, pourquoi pas, on pourrait aussi, nos clubs ici, chercher à acquérir ce joueur-là, qui n'est autre que Cristiano Ronaldo. Je vois, par exemple, un liste de Sassandra récupérer Cristiano Ronaldo. En tout cas, ce sont de grands clubs. Et nous, en tout cas, on est fiers de nos joueurs locaux. On va applaudir pour tous les joueurs locaux. Si vous voulez. Voilà. Akon et sa greffe de cheveux à 7 500 $. Vous l'avez sans doute remarqué, la star sénégalaise Akon arbore depuis peu une nouvelle coupe de cheveux. Les internautes ont même créé un challenge, le Akon Airline Challenge. L'idée étant donc de comparer la coupe du chanteur à ceux de personnages célèbres de fiction. Donc invité récemment sur une radio, Akon en a profité pour donner un peu plus de détails sur ce nouveau look. Le chanteur a admis avoir subi une greffe de cheveux en Turquie. Voilà. À la question donc de savoir pourquoi il avait choisi la Turquie, alors qu'il y a des spécialistes en la matière aux États-Unis et qu'on a évoqué le montant déboursé. Aider pour ce que j'ai fait, ça m'aurait coûté 50 000 $ ici. En Turquie, j'ai payé environ 7 500 $. J'ai pris ma calculatrice, j'ai converti 7 500 $ en francs CFA et j'ai trouvé... J'ai trouvé 5 052 000, 5,8 francs quelque chose là-bas. L'agence salariale, est-ce que vous savez que ça peut acheter deux terrains au moins, Yako? Être chauve là, ça tue pas. Je le dis toujours. En tant que quand je vous parle là, ça rentre pas dans vos têtes. C'est la dernière fois que j'ai dit cette phrase là. Je dis toujours que le problème, ce n'est pas d'être chauve. Le problème, c'est que quand tu es chauve, quand tu laves ton visage, tu ne sais pas où ça finit. Au contraire, ça fait économiser l'argent de coiffure. 5 millions et quelques pour faire greffe de cheveux, planter poil sur sa tête. Oh Seigneur, le monde est gâté. Oh my God. Il veut être quoi? Tu veux être quoi? C'est Aloko qui a parlé là-bas. Mettez un joint à toi. Allez la famille, vous savez, WAM, c'est le carrefour de toutes les tendances. Nous avons des invités, non des moindres, qui viennent ici pour nous faire des coucous. Celui qui va venir vient de Paris. Il règne là-bas en maître dans le milieu du showbiz aussi. Il fait partie d'une structure qui cartonne et qui caracole en tête de presque toutes les structures. Toutes les structures de nos frères ivoiriens là-bas font du bon boulot pour qu'il y ait de beaux concerts. Mais cette structure-là a décidé donc de faire les plus grands one-man show de nos meilleurs humoristes ici en Côte d'Ivoire. Et ce sera donc à partir, on va commencer après bonjour, l'étape de bonjour. On va commencer bien sûr donc avec, en novembre, si je ne m'abuse, le 20 novembre, il y aura aussi le grand spectacle de Tonton Gou. Et ce sera pour la première fois, s'il vous plaît, aux Folies Bergères. Je pense que ça s'applaudit déjà. Mais il est là, ici, pour nous faire un coucou. Lui, c'est DJ Big Joe de Paris. DJ Big Joe. On dit quoi? Big Joe, oui, Big Joe, assieds-toi un peu, s'il te plaît. DJ Big Joe de Paris, comment ça va, DJ Big Joe? Ouais, ça va bien. Yes, il a classe. Tu sens Bengue quand même. On fait comment? Ah, Big Joe, toi, oui. tu es ce qu'on appelle donc un Ivoirien qui vit à l'étranger. Oui, oui. Et tu y es depuis combien d'années maintenant? Ça fait maintenant 9 ans. 9 ans, quand même. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. 9 ans. Et tu y es pour des raisons professionnelles?
Oui. Voilà, c'est-à-dire tu t'es pas éloigné de ce que tu avais l'habitude de faire ici. Et tu, oui, là-bas, tu bosses aussi un peu dans le milieu. Voilà. Ok, j'exerce en tant que disc jockey. Et super, moi-même, j'ai aussi ma petite structure, ouais, DJ Big Joe Event Prod. Super. Je fais dans la location de la sonorisation, wow, et autres pour les mariages, baptêmes et autres. Et je, wow, travaille aussi avec Monsieur Ange, si, si, que tu connais très, si, bien, si, qui est de Boss Plus. Voilà. C'est ça, Boss Plus en tout cas. Le boss, respect. Voilà. Et là, tu as de passage, tu es venu voir la famille. Es... Oui, il y a aussi ça et prendre contact avec ceux que tu sais déjà, mm-hmm, pour, si, si, plusieurs événements. Si, si. D'abord pour le 26, ouais, qu'on a déjà fait sold out. Waouh, super. Le 20 ou le 26? Le 20 novembre. Non, le 20 novembre, pardon. 20 novembre d'abord, 20 novembre, à Paris. À Paris, Folie Bergère. Folie Bergère. Et le 26 à Marseille. À Marseille, déjà full, full, voilà, aussi. Wow. Paris, c'est déjà bon. Le Paco où? Tiens, chef. Donc, avant même qu'on ne rentre dans le mois de novembre, tous les tickets sont déjà vendus. Folie Bergère, 20 novembre, 26 novembre à Marseille. Franchement, c'est le top. Il y a aussi, bon, je ne te dis pas, ça sera une surprise, ouais, pour, ouais, toi. Ouais. Tu le sais, il y a plusieurs dates. Il y a aussi les dates de Digwe Cravate. Si, si. Et le 20 janvier, je pense, mm-hmm, il y aura VDA au Casino de Paris. Au c'est Casino encore de un Paris événement. Encore. Boss Plus. Wow, bravo. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, je suis pressé, je suis content parce que il m'envoie bien d'avion pour aller à Paris. Eh, hey, à Paris! Eh! Hey, I believe I can fly! Eh! Hey. C'est ça. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à tous ceux qui sont ici? Bon, c'est déjà, c'est sold out, mais peut-être déjà on va anticiper sur la VDA en janvier, c'est ça? Oui, janvier, Casino de Paris, VDA. Wow. Bon, si tu en as l'occasion. Ouais. Bon, tu sais. Mais ils viendront ici sur ce plateau. Voilà. Ouais. Et on sera ici en décembre, fin décembre, pour, d'accord, pouvoir, d'accord, faire différentes émissions avec la FTV, si, et tout. Si, et tout. Donc, si, si, voilà, si, si, ça marche. En tout cas, Big Joe, merci infiniment. Merci. T'as vu notre gars là tout à l'heure, on ne sait jamais. Ouais, c'est pardon, ouvert, tu... hein, il a aussi fait un featuring, voilà, sur mon album aussi. Voilà. C'est un petit à moi, il, voilà, il est dangereux, il est fort. Ah, Landry, t'inquiète. Hé, hey. Visa, Figo, Fio. Oh, son oui, il va monter en fait. Oui. Mais ça avait été vrai, tu viens, tu cales. Il va, alors. Et puis ça a donné résultat. Et puis il va barrer. Il n'y a pas l'homme. Il dit que là-bas n'est pas bon, c'est un menteur. Alors. Oui. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas bon pour les paresseux. Eux, ce sont des gars qui travaillent nuit et jour. Et franchement, j'ai eu la chance d'aller là-bas. J'ai vu un peu leur environnement. Ce ne sont pas des crèves la dalle. Ce ne sont pas des personnes qui sont là-bas, en tout cas. Pour... Franchement, ils font la fierté du 2-2-5. Ils font la fierté, merci, de la Côte d'Ivoire. Merci. Et voilà pourquoi on a voulu vraiment donc qu'ils viennent ici sur ce plateau. Merci infiniment, merci, Big Joe. Merci du fond du cœur. Est-ce que tu as un dernier message rapidement? Bon, gardez espoir et croyez, oui, en vous. Croyez en, voilà, vous, si, si. Seul Dieu a le destin de tout le monde. Si, si. Et il faut aussi avoir la tête sur les épaules. Si, si. Merci. Si, si. Merci infiniment. Oui. Merci d'être passé, Big Joe. Merci. À ta suite, on a un frère qui vient donc du Bénin. Vous l'avez déjà certainement vu sur TikTok et autres. Il a fait une vidéo, il a fait des audios, des échanges avec Fier de Bio, où il chantait, tout ça. Il y a même une vidéo qui est devenue virale, où il a dit « Salut la famille, comment ça va ?» Ça va. Il s'appelle Manzo. Manzo, viens, pardon. Manzo ! Manzo est un artiste. Comment ça va ? Assieds-toi, Manzo. Manzo vient du 229, le Bénin. Manzo, bonjour, comment ça va ? Comment vas-tu, Willy Dombo? J'espère que ça va bien, non? Ah, je les kiffe, je les kiffe. Manza, la vidéo que tu as fait où tu as dit comment ça va la famille, où c'est la connexion, tu peux reprendre ça? Comment vous allez la famille, ça va où? C'est la connexion, ça déconne beaucoup. Hé, hey, Manza! Hey, il est là. Hey, Manza, parlons un peu de toi. Tu es artiste, chanteur, tu fais du hip-hop, c'est cela, ou bien de l'afro? Afro-pop, c'est ça. Et tu es dans l'écurie de Blue Diamond. Blue Diamond. C'est ça, avec, on salue au passage donc Alviral, mais surtout le big boss de Blue Diamond. Alviral là-haut, mais surtout le big boss de Blue Diamond, Sidi, donc Sidikou Karimou. Je crois qu'il est, il est à Abidjan en ce moment. Il est de retour. En tout cas, il est de retour, mais toi, tu es là. Tu es là pour une collaboration avec Mix, c'est ça. Et le titre de la chanson, c'est Oshomo. D'accord, ça, fais-moi un acapella, s'il te plaît. Ou on va te mettre un beat. Bah, lui, il est violent. Lui, là, moi, il dit... C'est... Les whisky là, on les respecte, hein. Mais moi là, mets-nous un beat, voilà, un beat là-bas, vas-y. Mesdames et messieurs, Isabelle Manzo, Manzo Tito. Ah. Oh non, 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 non. Comment vous allez? Ici c'est Live TV, ici c'est Abidjan, je suis chez Willy Dombo. Ici c'est Live TV, ici c'est Abidjan,
Je suis chez Willy Domo. Ah, ma zombie est movie. La vie d'un loca est everybody movie. Baby girl, y'a comme shaggy money. Everybody girl, y'a gangue homie. I'm a big gang of spending my money. La vie d'un loca, ma maman s'y tame. Oh, mais là, les miens, y'a plus de homie. Et moi, ma zombie, Willy Domo. Eh, ma zombie! Ma zombie, tu sais, y'a un proverbe béninois qui dit. Ce qui veut dire. Ça a dit quoi? Eh, Bazo, ça fait plaisir en tout cas. Tu es habitant jusqu'à quand, Bazo? Jusqu'au 26. Jusqu'au 26. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient donc faire des photos avec lui, le voir. En tout cas, sur Internet, ici, les gens disent qu'il est bon, on valide. Il y a aussi des shout-outs donc à. Voilà, voilà, j'ai vu aussi quelqu'un qui a fait un shout-out à notre très cher frère DJ Big Joe, El Raza qui l'a ajouté. Il y avait des cœurs aussi sur DJ Big Joe, voilà, franchement. Merci infiniment d'être passé. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous tes potes? Fier de bien vous être rencontré depuis que tu es arrivé? Oui, hier. Vous allez faire un featuring. En tout cas, on va faire ça un à un. Tu sais que chaque chose a son temps. Il a un... Oui, donc, tu connais, je ne dois pas venir à Abidjan sans passer te dire big up, mazo. En tout cas, je salue tout la Côte d'Ivoire. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. J'ai vu les skinny à Pouchou. Mais la meilleure que j'ai kiffée, c'est la Pouchou, mazo, baby. Eh, mazo! Merci, mazo! Mazo était de passage sur le plateau de WAM. Merci infiniment. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants avec, bien sûr, pour allumer la télé. Paya! Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. C'est la deuxième partie de votre programme préféré du midi. Ouais. Tous les jours en semaine, lundi au vendredi à partir de 11h30 en direct sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. Allez la famille, c'est maintenant l'heure de retrouver nos amis du midi. Jingle. On espère en tout cas que vous avez sécurisé toutes vos télécommandes comme moi, car l'heure est arrivée d'allumer la télé. Oui bon, ils vont l'allumer, s'ils n'arrivent pas, ils bougent pas. Voilà, tant qu'ils n'ont pas allumé cette télé-là, on finit pas l'émission. Wamiens et Wamiens, on accueille avec des ovations nourries, bien sûr, avant d'accueillir les vrais. On a Olokbe, Olu Fade, Botonjot. Et il a la version aujourd'hui de Ao. Écoutez la version de Ao. Papa Mbaye Faye. Papa Mbaye Faye. Papa Mbaye Faye. On va tourner à gauche. Mourina Kashuna Bugul, going in a Bugul, and we're not Bugul. We ain't got second Okina, Wagel. Bonula, Aho. Yamra Dol Dol, Sama Bonula, Aho. Bogra Kesena Gunaka Bugul. Yam Betty Proverbs Senegalaki Kibi. Genu Kuana Gelemu, Gokena Kala Gelemu. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas bon haleine quand il te parle conseil, ça rentre vite. Samandal, Mamoudalo, Samandal. Amandal, Wawandal, Samandal. Oui, Samandal, oui, 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 merci. Allez, on va accueillir maintenant Blaka, Wayzef et Zagba, le requin, s'il vous plaît. Wouh! Et les esprits du bruit, s'il vous plaît! Et... On y voit!
Ça va. Ça pas le reggae. Assez vous les gars. Je vous le disais tantôt, il y a une surprise aussi derrière. Restez connectés. Si vous avez aussi la possibilité, donc là maintenant sur le direct de la page Facebook de Live TV, de nous envoyer le nom de la surprise. Si vous envoyez le nom de la surprise, il n'y a aucun challenge, il n'y a rien à gagner. Mais en tout cas, vous allez gagner le sourire de la surprise. Salut la famille, comment ça va? On est là. Ouais, le petit poussé qui est bien encadré. C'est le dada. Si. Sadio Mané, d'abord, on s'en va là-bas quoi. Hein? Après maintenant, il y a eu tout le Sadio Mané. Non, on s'en va là-bas quoi. Hein? C'est mal fait, Sadio mal Mané. Mal fait, voilà. Sadio Mané, non, j'ai pris la trajectoire directement. Ouais, t'as pris la cousine. Ouais, je te jure. Et là, aujourd'hui, on fait appel au jeune 3X Dave, qui était sur ce plateau la semaine dernière. 3X, ça va? Ça va. Ouais, je te jure, on a presque le même dress code, sauf que pour moi, il a pris ça dans Yougos. et à côté, celui qui sort toujours de l'eau, il vient, il n'a pas besoin de respect. Ça quoi les requins? T'as bien fait. T'as bien fait. Ah, il y a d'autres qui disaient, ça quoi le chat, je ne sais pas. Le chat, pardon, le requin. Non, c'est le requin. Donc, the shark. Ça, c'est la version anglaise. Anglaise, si. Pourquoi ça quoi le requin? Ça quoi le requin, parce que ça quoi est très percutant dans le travail. Ouais. Toi-même, tu sais. Ouais. Voilà, donc là. Il faisait Niaga avant ou bien? Non, il faisait pas Niaga. Il fait Niaga le travail, si tu veux. Si. Voilà. Alors, toi, XDev, t'as pas peur de te faire bouffer par le requin? Non, c'est mon vieux mort. Attends, c'est bon. Si. On va allumer la télé tout à l'heure, là. Voilà, elle est là. Je sais pas si cette télé, elle est conventionnelle. On a pas la télé bébé au dos. On a pas le commande de ça, là. C'est pas, j'ai pas mis les trucs. Même les trucs, là, elles veulent plus se lever, même. Et t'es seulement. Je te jure. Écoutez les lèvres, parce que. Alors, quelqu'un me dit ici que celui qui est la surprise de tout à l'heure, c'est Didi B, la surprise. Quelqu'un met Ramba Junior. Quelqu'un met Didi B. Zagba est là encore, quelqu'un vient mettre surprise Zagba le requin. Mais Zagba le requin ne se promène pas seul. Il a tout le temps son gars. Ouais. Il est où? Il est là. Il est là. Oui. Pour l'appeler qu'il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir, il va faire coucou ici. Viens t'en faire coucou ici. Viens t'en faire coucou ici. Viens t'en faire coucou ici. Samo. On dit quoi? Samo. T'as beaucoup d'argent. Samo, viens. Comme t'as à Dibaté, faut t'asseoir à ma place. Il dit Fata, c'est ton problème. Hein? Samo. Samo. Pourquoi on t'appelle Samo? C'est mon nom. C'est ton nom, mais vrai. C'est Zawa qui m'a donné ça. Ah, ou bien tu es né à Samo, la ville qu'on trouve avant, un truc là. Tout ça, c'est pour lui. Hein. Benoît, tout ça, c'est pour toi. C'est pour lui, hein. Il ne veut pas dire, c'est pour lui tout. Il a beaucoup de choses dans le pays, mais on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, il a beaucoup de choses. Hein. C'est comment ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ton amitié, ou bien ta fraternité avec ton gars de tous les jours, Zagba le Riquin, ça, c'est depuis quand? Bon, ça fait un bail, hein. On s'est connus au football. Mm-hmm. On avait presque 15 ans. Hein. Ouais. Un vrai âge ou bien âge retravaillé? Vrai âge. Âge de football. Quand tu nous regardes, jeune, elle est méchant. Il y en a qui ont célébré 29 ans récemment, mais franchement. Bon, bref, anyway. Ouais. Je reste concentré. Et donc, depuis lors, vous avez. Ouais, depuis lors, moi, j'ai arrêté le foot. Mmh. Pourquoi? Blessure? Non, pas vraiment. C'était devenu un peu compliqué avec des situations. Donc, vu que Zagba, il avait arrêté, on s'est croisé un jour. Il m'a dit, frère, vas-y, viens, on met quelque chose en place et puis on essaie de sortir la tête de l'eau. Si. Et depuis lors, vous êtes parti au Sénégal, certainement. Vous êtes revenu avec une idée fraîche. Le Ziguinchor, vous avez déplacé une partie du Sénégal ici en Côte d'Ivoire. C'est le Ziguinchor, voilà, on applaudit pour eux, s'il vous plaît. Le Ziguinchor. Et je ne sais pas mais comment vous faites, mais avec vous, ce marche toujours des hommes étranges. Vous avez décidé, dans votre bonhi, il y a un homme étrange qui est toujours là. Lui, c'est l'homme étrange, Blacka. Blacka, l'homme étrange, c'est une marque. Mais d'une marque aussi, il y a aussi une façon de vivre. Il y a un esprit autour de la chose, n'est-ce pas? C'est ça même. Ouais. L'homme étrange, pourquoi? Quand les gens vont à gauche, mais vont à droite. Si. Donc quand les gens disent pour eux, c'est en haut, toi, c'est en bas. Non, c'est toujours en haut, c'est Dieu. Ouais, oui. Si, c'est à côté. Non, c'est Dieu. Non, en fait, j'ai une manière de voir la vie qui est différente, en fait. Ouais, tu vois, non. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, en tout cas, mais la régie va préparer ce son-là que j'adore. Franchement, tu as dérouté tout le monde. Tu as mis tout le monde à gauche, effectivement, pendant que tout le monde pensait que tu allais revenir à droite. C'était Sadio Mané. Je ne sais pas s'il a la... Voilà. Ah, j'adore cette chanson-là. Pendant que ça passe, tu nous en parles un peu. Sadio Mané. Pourtant, il y a Didier Drogba, il y a Samuel Eto'o. Hein?
Yaya Touré. Non, moi, je suis un grand fan de Liverpool à la base. Hein. D'accord. De base, c'est Liverpool qui est dans ma tête, tu vois. Okay. Et puis, en fait, j'explique une histoire d'un Mogo qui n'a pas laissé sa goût. Mm-hmm. Tu vois. Il ne va pas te laisser comme Sadio Mané. Tu vois. Sadio Mané n'a pas laissé tomber. Ah, d'accord. Tu vois, non. C'est un gars, il est battant, il est simple, il se bat. C'est plus une image, voilà. En fait. Aujourd'hui, mais, tu vois, deuxième ballon d'or. Ouais, quand même, je pense que, franchement. Ouais, tu en as dans la tête. Tu en as dans la tête. Moi, mon joueur préféré, c'est Johnny. Johnny, ça s'appelle Johnny. Qui ça? Johnny. Lui, il ne couche jamais sur le terrain, mais il reste derrière, c'est lui qui donne les choses. Salut, Johnny. Alors, toi, XDev. Voilà, il fait un peu le timide. À la télé, que tu es timide ou bien dans la vraie vie, les petits comme ça, qu'ils sont comme ça, c'est les attacheurs. Façon. Non, je ne suis pas timide. Il faut savoir prendre des positions un peu, tu vois, en direct. Ouais, et puis il y a les vieux pères qui sont là-haut, tout ça. On déforme ma tête, mon riz, tu vois. Donc, j'ai aucun. Il s'est déformé tête là, voilà. Donc, on peut faire ça. On a un gars ici, même les soirs, même là, lui, ils ont pris sa tête pour aller mettre ça sur Tortue Ninja. La vie va le perdre. Il peut faire un jeu au calme. Moi-même, mon gars, ils ont pris requin. Et puis, ils ont mis ma tête sur requin. Et j'ai une photo là, vous montrez ça, c'est un jour. C'est ça, c'est les balles perdues, tout le monde prend. Allez, Zach Ball, le requin. Oui. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans le milieu et autres. On te voit vraiment homme de main, véritablement. Vous contribuez aussi, sans chanter, bien sûr, à l'évolution d'un mouvement aussi. Un mouvement qui a pris forme depuis un moment, bien sûr, avec l'arrivée de Kiff No Beat. Pour moi, qui reste encore le plus grand groupe africain de rap de cette décennie-là. Il y a eu à l'époque donc PBS Positif, Black Soul. Aujourd'hui, il faut leur attribuer. Je pense qu'il faut les applaudir encore, c'est important. Et beaucoup de personnes pensent que ça a commencé aujourd'hui. Pourtant, c'est depuis avant. Ouais. À l'époque, je venais souvent m'asseoir là-bas. J'ai Tamsi. Tamsi était encore pointu. Souvent, il me driblait. Il venait pas au studio vite. Et puis, on me faisait boire. Et un peu de shots. Voilà, c'était au pédo. Voilà, les shots. Voilà, bon, de route là. Si. Donc, ça compte pour vous, au fait, aujourd'hui, de soutenir ces gens-là sans forcément vouloir être devant. Ouais. Bon, le plus important, c'est le travail. Hein. Ouais. Quand tu fais le travail, il y a une partie du travail qui est dans l'ombre. Il y a une partie du travail qui a la lumière. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, Kiff No Beat, c'est comme une famille. Et ça va au-delà c'est même du... C'est une famille. Ça va au-delà du temps même que tu as dit là. C'est près de 20 ans des relations. Hein. Voilà, donc, nous d'abord... Relation amicale, il faut... Relation amicale. Mais la soeur amicale, on est beaucoup, c'est quoi, mais... Beaucoup de garçons, mais quoi. C'est la soeur amicale, voilà. Donc, on a pris goût au travail. Ouais. Moi, d'abord, je salue même le fait qu'ils ont adopté tout le monde pour pouvoir travailler autour d'eux. Ils ont pris tous leurs amis, en tout cas. Ouais. Donc, les plus concentrés sont partis devant. Si. Donc, on s'est dit, ah, il faut qu'on puisse jouer notre rôle normalement aussi. Au début, j'étais un peu seul. J'ai dit que ça, il ne peut pas arriver moi seul. J'ai appelé mon frère ça. Si. Il faut laisser toutes les histoires, il faut venir écouter. Et aujourd'hui, est-ce que tu es fier d'avoir laissé les histoires, notamment Ballon? Allez, là, toi, tu étais un pro, on était en train de travailler sur nous, allez là. Ballon est dur. Ballon... Alors, moi, ce que je veux savoir, dit dans la chanson, il ne veut pas comprendre cette voix. Ouais. Ah, tu ne veux pas reprendre ça ici? On peut. On peut, vas-y. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est autre chose. Yeah. Alors, Blaka, là, aujourd'hui... Tu as fini de. Est-ce que tu as vu Sadio Mané depuis lors? Si, les gars, c'est bon. regarde, il faut faire un petit message à Sadio Mané. Regarde, Sadio, voilà, tu vois, depuis tout le monde, les chanteurs du monde entier. Il y a un qui a pris l'initiative de chanter pour toi. Wow. Ah, Sadio, bon arango, tout n'a pas d'oul. Voilà, c'est un Ivoirien. Ouais, Ivoirien. En tout cas, même si c'est le Sénégal, il peut payer bien pour te trouver là-bas. Si c'est France, tu peux payer bien, non? Oui, tu peux payer bien pour t'envoyer là-bas. Lui, mais Pépé, son bien va te trouver, mais quand il va te trouver là-bas, là, faut honorer, c'est notre artiste. Applaudissez pour lui. Waouh. Je pense que le message est vraiment rentré dans son oreille. Wow. Merci infini, Tu as laissé ça deux manées, on espère qu'il va répondre, même s'il ne répond pas, on s'en fout. L'essentiel, le message est passé. Mais là, tu as décidé de prendre ta télécommande et puis d'allumer la télé. Voilà. D'où est venue cette idée-là d'allumer la télé? Moi, avant, je pensais qu'allumer la télé, les morts chantent ton nom. C'est un autre mouvement de travaillement et tout ça. Mais c'est quoi exactement allumer la télé? Allumer la télé, Zagba va bien expliquer ça. Sinon, Zagba, le son, non. Ouais. Le son, de base, on avait fait un son, Didier et moi. Mm-hmm. On partait au studio pour retoucher le son. Arrivé là-bas, on a appelé Zagba, Samu et tout. Et puis, on a dit,
Didier a dit, c'est pas mieux, on fait un autre son. Mm-hmm. On essaie un autre son. Et on était en train de s'amuser comme ça. Et Zagba, Samo, tout le monde, ouais, ils étaient en train de crier cuit. Cuit. Et c'est parti, quoi. Comme ah, si cuit. A commencé à frapper. Bah, la dernière fois, Johnny m'a envoyé une note vocale. Il dit, allô, Willy. T'es Johnny, il ne se plaise pas. Il dit, Willy, ça commence, c'est bon, hein. Le son de ton artiste sort, hein. Il dit, quel son ça? Il dit, cuit. Excuse-moi. On m'a dit, pardon, on m'a dit, ça, okay, prenant tes lunettes, que je vais voir le nom de l'artiste qui est derrière nous. Non. Mais toi, tu es où? Allez, va voir celui qui est. Mais Willy, t'as voté quoi, quand? Il m'a pris, hein. Il faut dire. Hey, aïe, mais Elon, pourquoi ça les met? Mesdames et messieurs, je vois le nom de la personne qui arrive là. C'est, oh, moi aussi, ça me va, hein. Ouais, petit. Oh, il est dans les flux, c'est mort. Mesdames et messieurs, je vois le nom de la personne à travers les lunettes là qui arrive, qui nous rejoint maintenant. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux à écrire, à demander son nom. Voilà. C'est le Joe Dalton du hip-hop, il voit. Du bruit, s'il vous plaît, pour Didi Ba! Didi! Allez voir! Wouh! Oh! Merci! Pacho! 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 Au calme! Pacho! Ça vous doit, ça vous doit! Wouh! Oh, Pacho! Ça vous doit, ça vous doit, ça vous doit! Eh les amis, Pacho, il m'a offert mon casque! Pacho! Eh, hey, Didi, comment tu vas, Mojo? C'est bon, moi. Eh, hey, Mojo. Willy. Yes, I. Si Mojo, il va bien, moi, j'avais le fini. Mojo. Comment ça va? Bienvenue chez toi, c'est ta maison, bro. Comment ouais, ça va? Toujours, on est là. Ah ouais. On est venu sans jaillir un peu aujourd'hui. C'est le mouvement PA-PA. Voilà. C'est quoi le mouvement PA-PA même? Allumer la télé. PA-PA, Zagba. PA d'abord, bien allumer la télé. PA d'abord. Le PA. Ouais. C'est le mal des effets plaisir. Hein. Ah. C'est le mal des effets plaisir. Tu vas en boîte. Tu kiffes comme tu peux. Ouais. Et tout sans pression, quoi. Sans pression. Ouais. D'accord. Et allumer la télé. Et ça vaut. C'est Zaba qui enlève ses. Allumer la télé. La télé, là. Tu entends d'allumer la télé sur moi comme ça. D'accord. Bon, attends. Je vais essayer d'allumer la télé. J'espère, en tout cas, pour découvrir en exclusivité avant tout le monde. Ça soit à quelle heure le clip? 18h. 18h. Bon, avant tout le monde, je vais prendre. Je ne sais pas si ma télécommande marche. Mais je vais appuyer. Si j'appuie, le clip va apparaître. Si ça apparaît, c'est vraiment la télé allumée. Votre mouvement est trop violent. On compte jusqu'à 5. Hein. 1, 2, Landry, en anglais. One. Allez, j'allume la télé. On peut pas tout donner, si on vous donne tout là, vous n'allez pas aller après sur YouTube. C'est que tu viens de faire, c'est ouais, ça qui a allumé la télé. C'est ça qui a allumé la télé. T'as mis tous les points sur, sur le... C'est les points. C'est ça qui a allumé la télé. Les points, t'as allumé. Nous, on va allumer la télé sur toi maintenant. C'est quoi? Quand j'ai allumé la télé, tu lèves ton doigt comme ça, puis tu salues. Et puis tu dis pub. Nouveau marié. Pub. Et en famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Hey, je reçois ici Zagba le requin, je reçois Frank Dev, je reçois Blaka, je reçois Samo Samo et bien sûr je reçois le Moja, Moja Vel, Moja, Didi B. Et du bruit pour la team s'il vous plaît. Alors, Didi, franchement j'ai rêvé, j'en ai longtemps rêvé. Tu es venu allumer la télé sur moi aujourd'hui, tu m'as rendu plein, mon frère, mon casque. Mais quel design, il est magnifique. Merci, il merci. Il était designé où? En Chine. En Chine, ça s'applaudit s'il vous plaît. Là, tu es devenu un véritable businessman, ouais, en fait. Ça met un peu de temps parce qu'on doit juste faire une grosse cérémonie, ouais, pour recevoir tout le monde. Sinon, c'est fini, à baf tout ça, là, qui arrive. Ah, bâtard. Hey, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Mais ça, c'est juste des prototypes pour dire que non, ça est là. Voilà. D'accord. C'est les débuts. Mais quand ça va venir, là, tu sais pas combien tu as vendu. Non, comment ça coûte ici? Non, mais pas vendre ça cher. Il tient compte des élèves, si, tout si, ça. Si, si. Les jeunes, ouais, qui se, ouais, promènent avec ça tout, ouais, le temps. Ouais. Il y aura les packages, quoi. Si tu veux un truc super designé aussi, ouais, là, tant même tu sais que tu as payé cher. Ouais. Mais le standard, là, ça ne sera pas cher. Nickel, nickel en tout cas. Merci infiniment pour ce beau cadeau. On va applaudir, ouais, s'il vous plaît, pour Didi. Ouais. Merci, merci pour ce cadeau. Mais surtout, surtout, on attend, pourquoi pas, qui sait, il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant pour Kiff No Beat ou peut-être pour chacun d'entre vous, mmh, d'attaquer le stade de Bengerville pour dire merci au stade de Bengerville, à Bengerville aussi qui est votre ville.
Ouais, c'est pas, non, c'est pas une mauvaise idée, ouais, ouais, hein, le stade de Vingerville. Le stade de Vingerville, ça va, ah, ça... je pense, ouais. Je salue le, monsieur le maire Dougou. Voilà, Dougou. Dougou. Ouais, voilà, le grand, père Dougou, salut. Le grand Dougou. Tu voilà, tu ne m'as pas encore reçu. C'est non, mais il faut adresse. Demander au président, ils n'ont qu'à nous donner le stade de Côte voilà. d'Ivoire aussi. Qui ça, le président de truc? Tu peux pas lui parler, quoi? Alors, monsieur le président, c'est respect, mais franchement, je suis bête. Mais moi-même, Willy, quand je fais ça vraiment, c'est pour vous demander pardon. On souhaiterait avoir le stade ouais. Pour eux. Pourquoi c'est pas, par exemple, fait. Pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les gars, je me suis content pour vous. Hein. Si on m'a Siri là, vous avez venu me donner main à chaque fois. Allez, on va allumer la télé maintenant sur 3xDev. Voilà. 3xDev, avant d'allumer la vraiment la télé ici, on dit toi, tu parles pas beaucoup. Non, moi, je parle pas beaucoup. Hein. Mmh. Ouais, moi, mais tu agis. Moi, agis. T'es dans la musique, en tout cas. Tu es dans l'hip-hop, ça fait bon, le rap. Non, ça fait maintenant un an. Un an. Ouais, depuis l'année passée. D'accord, mais tu continues d'aller à l'école. Ouais, moi à l'école. Tu es en quelle classe? Terminal D. Terminal D. Ouais, petit, t'es prêt. Quand tu vas à l'école, là, les morts sont fins, non? C'est obligé. Hein? C'est obligé. Elle est petite. Elle est petite. C'est autre chose. Zakba va terminer pour moi. Zakba, c'est autre chose. Il ne veut pas comprendre. C'est autre chose. Mais tu es content aujourd'hui, ton vieux t'a validé, ouais. Tous ils t'ont validé, ouais, ils font des sons avec eux. Ouais. Ouais, je sais que tu es un petit, tu es très conscient, tu sais que tu dois garder la tête. Nous, on a déjà une grosse tête, donc on ne peut pas encore prendre la grosse tête. C'est important, tu vois, sinon vraiment on allait prendre la grosse tête. C'est important, donc sois fier, voilà. Et m'a douché. Il a oublié la musique, après ta tête, comment il a oublié la musique là. Allez la famille, on va rapidement parce qu'il y a des messages, chacun veut faire passer un message, 30 secondes et puis maintenant on va allumer la télé. Samo, venez au Ziguinchor, ça c'est un message aussi. Venez toujours au Ziguinchor, ça nous arrange. Toujours, venez au Ziguinchor, le lunch, après de 11h, c'est gâté. Samo, moi je vais dire, le son sera disponible, le clip sera disponible ouais. à 18h. À 18h. Et le son est déjà disponible sur toutes les plateformes oui. légales. Légales, allez streamer. Si. Voilà, si. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec, en tout cas. Avec le piano, Dada, fais-nous un peu ouais, le refrain. Le refrain avec le en acoustique et puis en basique. Mais tu veux moi dire. Bilé, lé, fan des mots. On dit que je dis gogoé. Maman, mon gage. On dit que je dis gogoé. On t'a parlé de Didi. On t'a parlé de Blagaé. Ti, ti, on est vague que je dis gogo. Gogo, 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 je dis gogo. Je dis gogo. Allez, avant donc, bien sûr, la prestation ici sera la première de ce son-là. Sur une chaîne de télé. On va faire maintenant l'agenda. L'agenda et puis après maintenant on va gâter, on va allumer la télé ici. Sortez les télés, les télécommandes. Paix, tout à l'heure. Allez, une ou deux, une. Voilà, bon, deux ici. Allez, deux, tout. Voilà. On parle de la Lunchbox Rose. Voilà, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, le magazine Elle Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Coffee Shop Africa Café, lance l'opération gourmande la Lunchbox Rose. Participez à un déjeuner caritatif qui aura lieu les vendredis 21 et samedi 22 octobre au tarif de 10 000 francs CFA au sein du restaurant situé à Ivoire, Trade Center à Cocody. 10% de la recette sera reversée donc à une association luttant contre le cancer du sein. Dress code Rose. Contact 07 47 34 83 16. 07 47 34 83 16. Voilà, c'est la Lunchbox Rose. Tous contre la lutte contre le cancer du sein. La famille, c'est le moment maintenant de venir, on a tout blessé. Il est bon, Samo, il est bien, il est bon. Hey, il est violent. Hein. Il est violent. Là, Samo, hein. Il est mal battu. Il est trop battu. Allez, on va transformer. Il va se transformer en boîte de nuit, même s'il n'a pas à boire. C'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. Alors, JD.
Allez. Et la famille, on fait du bruit, s'il vous plaît. Pour Placard, Didi B. On espère que vous avez passé une incroyable semaine sur Live TV. Nous, on s'en va en congé. Non, pas en congé, et pas en vacances. En week-end. Oui. Ne nous appelez pas. Le pain. Le pain. Le pain reviendra ici la semaine prochaine. Le pain est qu'un soir. On fait un poisson ou bien on s'en va. Oui. 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 Au revoir, santé, tout le monde.